J'étais avec ma douce serein, au chaud, dans le lit, à l'abri de la pluie. Vous savez, ça change la musique. C'était un moment câlin, ce que l'on apprécie. En même temps, ça ne me dérange pas de répéter ça. Je lui caressais le sein, quand tout d'un coup elle me dit « Chérie, faut sortir le chien ». Je hais les animaux de compagnie. Après un slalom entre les crottes, un avoir planique sur une flaque de pisse, ma douce me dit « Mais c'est pas de sa faute !» Ce à quoi j'ai répondu « Va lui faire faire sa promenade sur l'autoroute qu'on en finisse !» Qu'on se méprenne pas, j'ai rien dans ces petites boucles de poils qui ne dégagent aucune odeur si ce n'est celle du marouane. Non, plus sérieux, les noms qu'on leur donne. Kiki, Choupinette, Minouchette, Paul. Lui au début, je voulais appeler mon fils comme ça, mais on m'a acheté le chien d'abord. Un chien, c'est toujours gentil, jusqu'au moment où ça te mord. Moi, personnellement, les clébards, je les vois dans un seul endroit, le restaurant chinois. Bref, y'a pas que les canins. Qu'on soit grand ou gamin, ce qu'on aime bien, c'est les félins, les chats. Vous aimez les chats, les cœurs aléatoires? Hein? Ouais. Y'a pas plus profiteurs et sadiques. S'ils étaient des hommes, ils seraient trop forts en politique. Et puis, vas-y que ça joue avec sa proie. En gros, un chat, ça torture, ça bouffe, ça boit. Puis voilà, ça fait que ça. Non mais bon, à ce qu'on dit, les matous, c'est gentil, joli, mimi. Et puis la nuit, tous les chats sont gris. Que dalle, même le jour, tous les chats sont des putains de nazis. Quand c'est pas des sorcières. Moi, c'est pour pas que les rongeurs souffrent trop que j'ai acheté une souricière. Mon pote Marasque a pas pu venir ce soir pour les punir, a inventé le chat balle sur un terrain tennis. Moi, je suis plus festif, j'ai inventé le chat bat. À l'impact, y'a un bruit de pneus qui crisse. Oh, ça va, je plaisante, hein, c'est l'humour, hein, c'est pour déconner. Faut le prendre au 180ème degré. Oui, c'est ça, la chaleur thermostat avec laquelle je vais les enfourner. Et le bruit du chat qui cuit est une douce mélodie. Et Titi passe un devant, on n'aura qu'à faire cuit-cuit. Et le poil angora, légèrement calciné, doit donner une jolie couleur. Pour eux, ce sera pas le chaman qui sera synonyme de malheur. Bon, c'est vrai, avec leur ronron et leur canin, ils se rattrapent. Mais je suis pas très sûr que du 9ème étage, ils retombent forcément sur leurs pattes. Bon, je les nargue, mais bon, c'est pas les pires ni les plus mauvais. Certaines me permettent même de rendre hommage aux esprits silencieux, les hamsters. Bon, bref, c'est pas les pires de toute la terre. Les chiens au moins nous sont fidèles, et les chats nous rendent notre affection. L'homme, lui, est à la fois ce qu'il y a de pire dans le chien, le bâtard, parfois la loutre et le mouton. Et certes, il est vu comme malsain de baiser comme des lapins, mais au moins ne mettre personne sur le trottoir. Et quand on dessine les frontières, on ne fait rien de mieux que de pisser pour marquer son territoire, prêt à lécher les babines des autres pour de l'argent ou de la gloire. Alors parfois je me demande si vous pas mieux être vous, le minou à sa maman qu'une vulgaire bête d'abattoir.